tous et dans cette nouvelle vidéo de Gamity. Mais on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo exceptionnelle. On va ouvrir des boosters Pokémon ultra rares pour fêter le million d'abonnés. Ça fait très longtemps qu'on vous tease une vidéo pour le million d'abonnés et l'ouverture. Bah, oui, on vous tease et puis on vous a surtout dit qu'on ouvrira des boosters exceptionnels pour la vidéo du million d'abonnés. Exactement, et ce jour est arrivé. Qu'on a jamais ouvert certains. Non, ouais, jamais ouvert. Deux... Ouais. Sur la chaîne en tout cas, ça je crois qu'on a jamais ouvert. Tout ça là. Tout ça, ouais. Trois. Il y en a un qu'on a ouvert dans la vidéo anniversaire de Guillaume, mais il a envie de retenter sa chance. Voilà. Et il y en a un, ça très longtemps. C'était les tout premiers de la chaîne. C'était les tout premiers de la chaîne, donc voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps à la chaîne. En tout cas, il faut faire péter la barre de pouces bleus. On vous remercie énormément. 1 million de fois, tous ceux qui sont abonnés, les 1 million de personnes qui sont abonnées. De toute façon, sur les 1 million d'abonnés, il y en a forcément qui sont abonnés pour les cartes Pokémon. Non, je vois pas pourquoi. On n'en fait jamais. La vidéo de Pokémon la plus vue, je crois que c'est... C'était un duel sur des Pokéballs où on avait eu on avait eu des évolutions, je crois. 600 000 vues, je crois. Je crois un truc comme ça. C'est pas mal. Donc voilà. Franchement, merci à tous. Vous continuez à s'abonner parce qu'on continue à augmenter et aller vers les 2 millions. On sait jamais. Mais non, mais déjà vers les 1 million 01. 01. Là, ça arrive. Il faut se motiver encore un peu. C'est ça, exactement. On remercie aussi tous ceux qui étaient présents sur le live. Si vous ne l'avez pas vu, le passage. Oui, voilà. Il faut aller voir ça. Elle est en description de chaîne. On va faire le topo, code KI sur Fortnite, code JK sur Brawl Stars, Clash Royale, etc. Exactement. Non mais en vrai les gens, ça fait plaisir parce que du coup c'est vrai que voilà, il y a un peu moins de hype, on va pas se mentir, sur Pokémon les extensions. Je pense que Astre Radieux et compagnie, ça va être du même niveau que Invasion... Astre Radieux. Oui, du même niveau que Invasion Carmin, que Offensive Vapeur. Voilà. Je sens que voilà. Non, ça, on va en ouvrir. Oui. En français, on attend le français. Oui. Du coup, on se réserve parce qu'on a vu l'extension. On se dit bon, elle est bien. Il n'y a pas des cartes de dingue. On attend d'ouvrir les tripacks, les coffrets, les Pokéballs. Et du coup, on va commencer cette vidéo avec un coup de cœur. Je pense que c'est l'extension qu'on a le plus ouvert sur la chaîne. Oui, et puis en même temps, c'est une extension qu'on adore. Il y a des cartes vraiment sympathiques. Au-delà du Dracaufeu, il n'y a pas justement que Dracaufeu. Il y a énormément de cartes. Il y a il y a quelques évolutions. Il y a du Mewtwo, il y a du il y a du Articodin. Enfin, vraiment, cette extension est génialissime. C'est pour ça qu'on a voulu la rouvrir aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de trucs. C'est-à-dire qu'elle est tellement bien que... On n'a pas ouvert pendant un bout de temps parce que du coup ça c'est... c'est marrant, on va parler prix aussi. Oui, on va parler... Oui, normal. De tout ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. C'est l'item où on a payé le plus cher. C'est l'item qui nous a coûté le plus cher. C'est fou, hein, parce que après les autres c'est pas ce prix là. Non, et c'est... On l'avait payé 70 euros, entre 60 et 70 euros. Et au final c'est celui qui cote le moins. Enfin, à peu près. Au prorata, oui. Au prorata, ouais. Oui, c'est sûr. Bah, quand tu vois les prix, on a payé les autres, oui, c'est sûr et certain. Mais en gros, aujourd'hui, ça vaut entre 150 et 200 euros. Je vais pas dire 170, je vais plutôt dire une fourchette, comme ça sera plus réel. Oui, bah... Parce que si tu veux la vendre vite, tu la mets à 150, elle part direct. Oui, et si tu la vends moins vite et tu te dis, je vais attendre que ça monte un peu, tu la mets à 200, elle peut partir peut-être dans pas longtemps. Oui, voilà, exactement. Parce que c'est plus réédité. Et du coup, c'est sorti en 2019, c'est ça hein. 2019, je dirais aussi. Alors nous, ça, c'est des UTB qu'on avait de la seconde vague. C'était pas la sortie. On a rien racheté aujourd'hui pour la Non, on n'a rien racheté pour la vidéo. C'est tout ce qu'on avait. Mais ça fait plaisir, on espère que ça vous fera plaisir, parce que c'est des items de la collection qu'on a depuis longtemps. Et qu'on avait dit qu'on ouvrirait un jour pour un événement. Et français. Je pense que c'est l'événement et la hauteur. Français, il y a de l'anglais, il y a de l'italien et du japonais. Mais non, mais comme vous avez expliqué dans la vidéo anniversaire de Guillaume, nous on n'avait pas acheté que du français à l'époque, et même très loin de là, parce que le français déjà cotait un petit peu. Non, parce que justement le français cotait pas. Oui, mais si, un petit peu quand même. En fait, il y avait les deux. Le français était rare et ça cotait un petit peu, soit le français était pas du tout rare et ça cotait pas du tout. Oui. C'est-à-dire que. Et du coup, on a ouvert beaucoup en français ou revendu à l'époque. Du Team Rocket en français. Je sais pas. Mais vous avez vu sur la miniature. Non, mais. On en reparlera. Voilà. Ouais, on vous tease et tout avec Guillaume Dichon. C'est pas grave. Non, mais y'a pas, pas que ça. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on va avoir là-dedans. Moi non plus. On espère avoir un tirage correct. Voilà, sans avoir. La carte des trois oiseaux. Sans avoir un truc de fou. Oui. 5 boosters chacun. Gauche, droite, comme tu veux. Mew, électeur. Oula. T'as fait les premiers. Hein. Du coup, là, c'est pour mise en bouche, tu vois. Y a aucune rareté. C'est vraiment pas rare parce que je pense que beaucoup de gens en gardent. C'est pour ça que le marché. Non, mais ça va aller crescendo.
mais c'est pour commencer la vidéo, oui, quoi. Exactement. Pour se mettre de bonne humeur. Bouche, tu vois. et voir un peu ce qu'on peut avoir de correct dans cette vidéo. Si ou pas. On a de la chance ou pas. De toute manière, voilà, sur ce genre d'item, on espère un truc, sur les autres items, c'est différent. C'est différent, c'est... Parce qu'on sait pas si on a un truc, en même temps, on n'a pas la possibilité ouais, d'en ouvrir voilà. plein, voilà. Ou d'en rouvrir peut-être un jour. Oui, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Lipoutou, détermination d'Ondine. Donc ouais, forcément, bah, Pokémon, c'est une grande histoire. Hein. Ah bah oui, depuis... Evoli. Oh j'ai pas vu. C'est vrai que j'ai pas tilté. Mais t'as oublié que t'étais à la fondation. Ben, c'est pas mal, hein. Yumi, il fait douf, ça l'arrache. Bah ouais, ouais. Bah remarque, y'a pas de suspense comme ça. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Y'a pas de hype. Bah après sur les petites cartes... T'aurais une hype, franchement, je crois que c'est une des meilleures cartes bah, vertes à avoir. Bien, hein. Donc ouais. Oui, c'est très très bien. J'en ouvre deux. Oui, vas-y, j'en ouvre deux, ouais. On va pas passer 10 minutes sur... on va pas passer 30 minutes sur une ETB. Non, parce que c'est le après qui est important. Parce qu'on a plein de trucs à raconter, alors vous savez... Bah oui, des anecdotes, des choses comme ça. Énergie. Piège de Koga, mais va trop vite hein. Pikachu, Rondoudou. Oh. Attends, c'est une Pokémon. Bah oui, c'est une Pokémon. C'est bien que c'est il y a un bord. Lucario. Amphinobi. Au moins c'est pas une chimère et c'est Lucario. Noctali. C'est bien, c'est très très bien. Oh punaise. Je pense pas qu'on allait avoir une aussi bien. Moi non plus. Oh punaise. Je m'attendais à Lucario, Amphinobi. Oh punaise. Bon bah voilà les gens. Ah bah dis donc. Déjà ça commence plutôt booster. Bien. De booster, un sécateur déjà qui est une des SV les plus rares. Vas-y, on va péter leur corps, on va en avoir 5. Punaise, Noctali. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas eu Noctali, je crois. Non, ouais, ça fait une éternité. La dernière fois, on avait eu Nymphali, Nymphalie, mais je suis pas sûr qu'on ait. Et Givrali. Et vraiment, oh Noctali, je crois qu'on l'a pas beaucoup de fois. Hein. Bon, elle est pas très très bien centrée, on va pas se mentir. Hein. Bah, ces cartes-là sont rarement très bien centrées, honnêtement. Ouais, on en a pas eu. Ah oui, elle est vers le haut. Ah oui, elle est grave vers le haut. Elle est vers le haut et vers la gauche. Elle est dans le coin. Ça, c'est comme le logo DVD qui va vers la télé, dans le coin. Ouais, c'est ça. Et bah, elle va dans le coin à gauche. Oh là. Bon bah j'ai de la chance. Ça commence bien. Bon c'est pas mal. Voilà moi. Même si on n'a pas notre grosse carte déjà, Noctali c'est une très belle carte. Ah bah oui, bah oui. Bah voilà, et c'est pour ça qu'on kiffe cette extension parce que... Parce que c'est trop bien. En fait il n'y a pas une carte. Et même le Cario en Philobi aurait été très bien. Contrairement moins bien, c'est des chimères. La Destinée Radieuse tu vois. Destinée Radieuse, à part Dracaufeu... On va pas se mentir, à part Dracaufeu en termes de rareté, il n'y a pas beaucoup de cartes ouf quoi. Bah parce que tu les packs beaucoup de fois. Punaise, Noctali. On a eu beaucoup... Tu vas pouvoir la mettre dans ta collection. Ah bah oui, bah oui. Parce que je suis pas sûr que tu l'as dans ta collection. C'est le Noctali d'un million. Ouais, Noctali d'un million. Bon, déjà c'est cool. Hein. Je sais pas si la carte elle garde une cotation. Je sais pas du tout. Salamèche. Je sais pas si mon portable. Psychoquack. Il est juste à ton portable. Magikarp. Starry. Je vais essayer moins labourant que Guillaume pour la première. J'aurais pu aller au bout. Après, je viens d'avoir deux très bonnes cartes. Oui, je crois que c'est toujours une quinzaine d'euros un sécateur, il me semble. Mmh, c'est toujours 10-15 euros, ouais, je pense, ce genre de carte de cette manière. Et Noctali, c'est la SV combien? C'est la SV 69. Noctali. Allez, moi aussi, je veux paquer du lourd là. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai? Ah ouais, c'est pas mal du tout, ouais. C'est à peu près le prix de la boîte. La boîte à la revente ou la boîte à la revente? La boîte à la revente. C'est vrai? Oui. Oh, punaise, ça a éclaté alors. Bah, c'est le prix bas fourchette que j'ai donné de la boîte. Bah punaise. Ouais, bah c'est Noctali. Bah punaise. Hein. Bah cool. On a packé une des meilleures cartes, quoi. Mélofée. Oh! Oh, il a deux! On est là, un, il a deux. C'est quoi la 2? La 2, je dirais que c'est un. Ouais, ça va être un. Mais non, Bradipou, c'est pas dans Destiny Radieuse? Je sais pas. Ah, ah, il est trop mignon! Mais il est trop beau! J'avais oublié, il est un peu aquarelle. Non, mais c'était mieux avant. Non, mais Destiny Occulte est vraiment, vraiment au-dessus de. Oh, et on peut toujours avoir des golds? Oui, oui. Oui, 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 en SV. Le Noctali, il a pris cher. Oui, il a. Ouais, j'avoue. Trop mignon, Bradipou. Ah oui, la vache. Et ah oui, là, il y en a un qui est un enchère, tu vois. Après, il est mal centré, mais pour le principe, tu vois. Bah, punaise, attends, je vais ouvrir deux. Ouais, tiens, voilà. Pluralis, peut-être, je sais pas. Ah, bah, ça dépend, hein. Oui, ouais. Oui.
Bah, c'est plus d'une c'est plus d'une centaine d'euros. Oui, c'est ça. Bah non, mais on a trop de chance là. Bah ouais, c'est pas mal. Deux petites SV pas dégueu et une Foulard SV. Ah ouais, moi je m'attendais à. Dans les meilleurs. Bah il faut savoir que le Noctali, au moment où il y avait la non, hype, c'était combien? C'est le Pokémon qui est adoré en évolution. La preuve, c'est qu'on allait faire les magasins, enfin faire les courses. Il y avait les Pokébox, vous savez, Mentali. C'était Mentali, Nymphali et Noctali, il n'y avait plus Noctali. Alors qu'il y avait des autres. Oui, il y avait les autres, ouais. Non, il y a le lapin qui commence à s'énerver. Ouais. Analyse de Léo. C'est parce qu'on est content. On va avoir aucune carte dans le set normal. Ah, j'avoue. Punaise, Noctali, bah c'est bien. Gros doudou. Allez, gros doudou. Noctali, c'est bien. Bah, je pense que tu vois, c'est une des cartes qui vaut. Ça vaut pas drac ou feu, mais c'est, ça fait quand même partie. Si, oui, si. Ah oui, il y a Mewtwo. Oh là là. Non, ouais. Mais j'avoue, cette extension. Mewtwo, c'est la première carte SV Full Art qu'on a packée. Cette extension, elle est vraiment, comment dire, elle est incroyable. Elle est vraiment au-dessus des autres extensions du même style. Là, parce que y a beaucoup de full art stylé, c'est des Pokémon vraiment stylés. Bon, moins les chimères, mais bon, bah après chacun ses goûts. Mais non. Ramos. Et... Oh, Dracaufeu. Ah non. C'est là-dedans, c'est Dracaufeu. Oui, oui, il y a Dracaufeu. Ouais. Bah, t'ouvres les trois. Ouais, enfin, du coup, vas-y. De toute façon, j'ai déjà eu une. Bah, ce serait bien d'avoir une deuxième, même si c'est pas oui, ce serait bien, ouais. C'est genre même une chimère, hein, c'est pas grave. Parce qu'on a quand même une boîte avec 4, hein, donc je pense que c'est possible d'en avoir 2. Attends, on a eu Girali, Amphinobi, Dracaufeu et. Une quatrième. Non, je sais plus. Je sais plus, mais une bière. Crisacier, Reptincelle, moi je pense que j'ai pas grand chose. Hein. De toute manière, ça se voit. Une énergie. Ok. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Tu l'as eu dans quel booster, tu te souviens plus? Bah, je l'ai vu. Dans le deuxième. Ok, ça me dit pas c'est quoi. Il reste 3 paquets, tout est possible. Peut-être, peut-être. Allez. Allez, de la chance pour Kim. Kim, sors-nous Dracaufeu. Énergie. Je t'ai sorti avec Tali. J'ai déjà fait. Dracaufeu, j'ai déjà fait. Crisacier, Magma, Mélofée. Et en fait, il n'y a pas de crescendo, on va partir de ça à direct du un peu plus vieux et puis direct du très très vieux. Oh bah. Encore MDR. Pas illusion. Allez, une gold sinon, Tocorico. Oui, sinon une gold. Tocopion. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en carte bien? Cynthia. Ah, si, les gold aussi, les dresseurs gold. Oui, Oh non, cette extension, elle a tellement de trucs en fait. Non, mais oui, elle est trop bien. Bon. Et au moins, on se spoil pas. Est-ce qu'on ouvrira un jour? Peut-être. Je pense. Bah, parce que c'est toujours bien. Ouais, c'est l'extension, elle est vraiment cool. Arène d'argent, t'as deux pièces. Forcément, plus ça va aller, plus elle va être rare. Piège de Koga, Pikachu. Parce qu'il n'y a pas eu de retirage. Non, Rondoudou. Chenipan. Franchement, ils devraient faire des retirages, ce genre de choses. Paras, piège de Koga. Ah, Léviator GX. Ça reste. Oui. Oui, ça reste ultra, oui. Oui. Bah, j'aimerais bien avoir au moins une petite SV. Ah oui. Mais c'était pas 3 petites SV. Non, attends, on avait dit ça sur Destiny Radio et au final, on n'avait rien eu. Ça sent pour les cartes. Oh, les cartes neuves! Ça dépend des extensions, mais celle-ci. Suggestion de Morgan. Détermination d'Ondine. Bon, Noctali, c'est bien, elle est chaud. Smogo. Osselet. Racaillou. Est-ce que tu as quelque chose de dernier booster? Ah, non. Dommage. Ah, bah, un sécateur. On commence par un sécateur, on finit par un sécateur. Bon, bah, franchement, voilà. Franchement, boîte assez classique, mais la carte qui est sortie, elle est très très cool. Oui, voilà, c'est ça en fait. Bon, elle est pas très bien centrée. Onyx, Brindibou, un sécateur et Noctali. C'est cool. D'ailleurs, il y aura un concours Pokémon. Sur Insta. Oui. Donc allez sur notre Insta, je pense qu'on vous fera gagner des boosters. Oui. Plus vieux. Oui. Du coup on va réfléchir, mais moi j'avais pensé à peut-être à 4 boosters évolution, donc l'Arset et des boosters CD évolution. Tout dépend ce qu'on a dans l'évolution de ce coffret. Ouais, après ça peut être d'autres trucs. Hein. Non mais oui, voilà. Mais de toute façon il y aura des concours sur Instagram. En fait, on va essayer de faire un sécateur. Sur un sécateur, j'ai trop dit un sécateur. Deuxième item, c'est oui. Ça. Ça c'est des coffrets qu'on a achetés il y a... Longtemps. Non, il y a 3-4 ans. C'est pas si vieux que ça, mais après ça reste longtemps. On l'a trouvé tardivement, 2016. En fait, c'est des coffrets qui sont ressortis, vous savez, quand il y a eu la hype Pokémon, il y a énormément de coffrets qui sont ressortis au prix normal. Ouais, mais celui-là était censé être limité. Oui, il était... À 5000 exemplaires. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a du évolution dedans et tout, on l'avait eu. Il y a deux boosters évolution, il y a un booster impulsion et un booster offensive vapeur. C'était 20€. 20€, 25€, un truc 25, comme ça quoi. Ouais, je sais plus. Un truc dans le genre. 20€, je crois. Non, 20-25. Vous voyez, c'est vraiment l'OTB qui a coûté le plus cher. Ouais. Et ça, c'est un des items qui coûte le plus cher aussi. Oui, aussi, ouais. Après, aussi. Vous allez voir. Ça va être marrant. Parlera de prix, de rareté. Du coup, le coffret Kangourex. Il vaut plus d'une centaine d'euros. Oui.
Et voilà. Parce qu'il y a deux évolutions, il y a du XY. Évolution. Donc Impulsion Turbo et Offensive Vapeur, c'est un peu les extensions à l'image de... Ouais, c'est pas pour celle-ci qu'on ouvre. Hein. Oui, non, vraiment pas. Mais vraiment après, pas. Ça reste des extensions. Ouais. Ouais. Non, c'était là, tu sais, c'était quand ça... Oh là là. Les gens, là, j'ai vraiment peur. Hein. Star étincelante. C'est dommage parce que c'est une très bonne extension. Ouais, mais il y a quand même un drapeau feu, Arceus. C'est une très bonne extension, mais le tirage pour moi, il est pas. Il est pas à la hauteur. Il est trop. Oh, punaise, trop. Non, mais cette carte-là, tu peux la laisser. Oui, parce qu'elle est. Parce qu'elle est mal. Toute gondolée. Ouais. C'est pour ça que maintenant, ils mettent un truc en plastique derrière, parce qu'en fait, c'est une catastrophe. Regardez l'état de la carte. Oh là là là. En fait, elle est toute gondolée. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez vu. Ah, la tronche de la carte. Et ça, c'est la conservation du coffret. Et tous les coffrets qu'on a eu comme ça, est-ce qu'on en a déjà ouvert? Oui, bah les cartes sont comme ça. Les cartes, c'est. Pas la grosse. Non, celle-là. Mais la première, elle est mal conservée, voilà. Et c'est parce que c'est parce que c'est 2016, donc ça fait 6 ans. De et quel... voilà. Après, c'est pas 6 ans qu'on les a. Impulsion, parce qu'il y a quand même Mewtwo. Ok. Et Tortank ou Florizarre? Tortank. Ok. Bah, évolution, c'est toujours efficace. Voilà. C'est ouais. Parce qu'on avait envie d'ouvrir ça. On aime bien évolution. Je trouve que c'est une extension qui vieillit bien. On préfère ouvrir des coffrets sur ce genre d'extension parce qu'au moins tu étais sûr que les boosters n'ont pas été trifouillés. Aussi, ouais. 3. 3 c'est XY. 3 Ouais. Dans tous les sens ou autre. Bah, oh, c'est quoi cette carte? Le mieux, ce serait d'avoir un dresseur full art. Combine pour de notre collection. Juliette. Je pense qu'il nous en manque pas mal de ces extensions-là. Donc Marisson. Chauve-souris. C'est fou parce que autant on voyait que c'était des nouvelles cartes à l'époque. Attends, il y a trois cartes de Marisson? Oui. Je crois que c'était une blague au début, tu sais. Ouais, bizarre. Et en fait, là, ça se voit que c'est des vieilles cartes, en fait, que c'est un bloc avant, quoi. Enfin, même que... Non, mais d'où il y a trois cartes de Marisson? 7, 8, 9. C'est une blague? Ils avaient pas d'idée. Je pense quoi. Que j'ai fait le record de Marisson dans un booster. Hein. Non, mais là, on est sur quelque chose de lourd. Hein. Après Noctalie, j'ai bon, allez, eu le plus de Marisson possible en un seul booster. Ah, bah là, là, c'est énorme. Là. C'est bien, c'est un starter, faut pas abuser, quoi. Il force, là. Il y a des limites, hein. Oui, voilà, sur ces boosters-là, il y a moins d'attente. Sur l'évolution, je crois que c'est. Les boosters en évolution, c'est toujours une vingtaine de 20 d'euros. Je sais pas, en gros, oui, parce qu'il y en a qui sont pesables et tout, c'est sûr, hein, mais. Bah, nous, on a rarement acheté des boosters en loose. Oui, ouais. On l'a toujours, celle-ci. Azumarill, ouais, j'avoue, ouais, toujours. Mateloutre. Funissir. En fait, juste après, on passe à du Gigalo. What, what? Il y a pas de. Il y a moins de boosters la dernière fois parce qu'on n'avait pas envie de rouvrir du genre. Bah, si tu continues, si tu. Ah oui. Oui. Avec Destiny Occulte. Oui. Furéglon. Oh, t'as une turbo. C'est pas la fin, une turbo? Non, c'est l'avant-dernière. Ah punaise, j'avais oublié. Bah oui. Trop bien. Il y a une méga, c'est pas le Pokémon de l'année, ouais, mais bon. C'est pas mal. Ultra. Une ultra, ouais. Turbo. Ouais. Qu'est-ce qu'elles sont moches, cette carte. Bah, c'est vraiment. Est-ce que en France, il y a un collectionneur spécialiste des turbos qui a que peut-être, des. Peut-être, hein. Oui, mais les fans de cars et tout, de cars, des trucs comme ça aussi alors. Turbo, tu sais, l'escargot qui est. Oh punaise, non. Non, mais. C'est... Franchement, elles sont moches. Oh la blague pourrie. Je suis sûr qu'il y en a qui collectionnent ça, mais. Je suis désolé. On compatit. Arrête, c'est toujours plus original que de collectionner des dragons feu. Oui, 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 c'est Pikachu, vrai, mais hein. Absolument pas original. C'est quoi, 3 3, c'est XY. Bon, je m'attends à un trio picker. Staros. Très désévoluant. Magma dresseur. Et avant célébration, c'était vraiment hypé. Après, je trouve que c'est toujours un peu hypé quand même. Ah, moi, je trouve que évolution, ça a vraiment. C'est vraiment une extension que t'as envie d'ouvrir tout le temps. Enfin, nous, on a envie de l'ouvrir tout le temps. Non, ça. Salamèche, est-ce que ça annonce? Est-ce que ça annonce? Non, un dresseur. Dresseur. Et... Jaune. Magnéti Electrode. Wouhou. C'est fou parce que. C'est fou parce que t'as toujours les mêmes. T'as toujours ces cartes-là. Peut être des boosters en loose ou pas. Ah, t'as oublié Canartichot aussi. Hein. Qu'est-ce que t'as, pot de colle? C'est pot de colle, vous connaissez le lapin pot de colle? C'est lui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Oui, tu veux venir avec moi. Oui, oui, t'inquiète. Je te protège. Allez. Il va nous porter chance. Porte-nous chance. Qu'est-ce qu'il y a comme lapin? À chaque fois que tu dis ça, Mais si, allez, c'est la vidéo du mignon, gros. Spectrum. C'est bien, Spectrum, déjà. Après, vous aurez. Rappel. Bah, en fait, c'est surtout pour les boosters après que vous aurez pas souvent des ouvertures de boosters après. Il y a des cette gros tête. Yeux. Coucou. Aspico. Onyx. J'ai une monsieur Dracofeu en plus. Dracofeu, s'il te plaît. Starry. Oh, Pikachu. Pikachu. Non, c'est après. Mais Dodio.
Oh voilà, oh, même. Le... Vaillante de pierre. Ouais. Je m'en vais. J'aurais été sûr que je vais ressortir ça. Je crois que c'est le dernier. Yumide. Non, vraiment, la dernière fois, je n'ai pas dit que c'était le dernier. Tu sais qu'on a ouvert deux évolutions, hein. Là, il y en a qu'un. Hein. Ouais, mais il y a soleil une. Et soleil une, on peut avoir Lily, tu vois. Moi, j'ouvre ça parce que c'est assez mignon et il faut qu'on ait une carte bien, au minimum bien. Au moins une holo, voilà. Au moins une holo, une ex. Une holo normale. Est-ce que... Oh, c'est Tortank. Ouais, mais je l'ouvre. Vas-y. Tu veux ouvrir les... Ah non, c'est soleil une... Ah, ah. Moi, je te laisse le soleil une. Ouais, je prends 1, 2, 3, 4, hein, soleil une. Bon là, il y a... Bah remarque, comme ça on ouvre une autre extension encore. Oui, voilà. Une autre extension. 4. Oh là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Attends, on n'a pas eu de ça une fois. Si, mais pas sur la rare. Oh, oh non. C'est une ultra. Ouais. Oh punaise. Oh la tronche. Oh non. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas une ultra de ouf. De toute façon, c'est quoi? C'est un pub. C'est. Gardien ascendant? Ouais, ouais. C'est pas... Bah, une GX de Mentali, non? Filali? C'est là-dedans? Welmer, Mucuscule. Non, pas Filali. C'est une GX? C'est une GX, ça va. Elle est dans un état. Non, mais. C'est mais lamentable. C'est un délire. Oh, wow. Elle est coupée en trois. Bon, ça reste une ultra. J'espère que ça va être ça. Et on vous fait gagner cette carte. Non, c'est à contre-cœur parce que je voulais la garder. Oh là, bah c'est une erreur d'impression en quelque sorte, mais je suis pas sûr que les gens cherchent ce genre d'erreur d'impression. Non, c'est là, c'est pas vraiment une erreur. Bah là, elle est en 3D quoi. Ouais. C'est cool. Alors, on n'avait pas encore eu sur une ultra, ça fait non, plaisir. Non. C'est cool, tu vois, t'aurais une carte arc-en-ciel, t'aurais été contente. Ouais, quoi, genre, oui, voilà. ouais. J'ai l'impression d'avoir toujours Tocorico. J'ai l'impression qu'on est abonné aux mêmes cartes dans ces extensions. Ouais. Après, il n'y en a pas 10 000. Hein, allez, Lee. Rosemary. Ah non, tu t'es trompé d'extension. Bon, si j'ai rien dans Révolution, je vous promets que c'est le dernier booster de toute ma vie. Oula, t'es sûr? Si là c'est encore un Electrode, un Staros ou un Triopicker, ouais, j'arrête. Non, non, c'est bon. Ah, il est community là, ouais. On a ah, pas mais fait, il est plus. En même temps, c'était 2 heures. Flamme Yahoo. On a une vie aussi. Énergie multicolore. Et je crois que j'ai. Oh non! Je crois que c'est. Bon, c'est déjà très très bien. Oh, je me suis mis là. Ah, mais c'est Lily. Bah non, mais c'est très bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Le Sir Polar, c'est fait. C'est très très bien. Et deux ultras en deux boosters. Oui, et moi, elle est en meilleur état que la tienne. Ah, putain, je crois que c'était Lily. J'ai vu le bas, j'ai fait. Moi aussi. Après, est-ce qu'on pouvait avoir pire dans cette extension en dresseur? Il est où ton portable? On marque qu'on l'avait pas. Altéo. Ah, punaise, je crois que c'était Lily. Juste pour le délire. Moi aussi, je croyais, vraiment. Donc deuxième booster Tortank de la journée. Punaise les gens. Punaise. Comme je dis punaise, j'ai dit punaise ou pas? Oui, t'as dit punaise. 3. 3. Secrète. Pikachu. Ah oui, c'est vrai que c'est une secrète. Pikachu volant. Tiens. Spectrum. Entretien. Sac de nœuds. Starry. Énergie. Magikar. Onyx. Ah. 42. Ah oh, mais... Une holo reverse. Attends, on a... Oui, on l'a eu. On l'a eu il y a pas longtemps. Oui, c'est la même qu'on a eu dans le coffret Dracaufeu. T'es sûr que c'était dans le coffret Dracaufeu? Je crois. Oh punaise. Je crois que c'est la même. Elle vaut dans les 10-15 euros celle-là. Je pense que ça collait pas à Staros. Ah, ouais, non, mais on a dit une holo reverse. Ouais, non, mais ça va. Non, mais franchement, le coffret, ça va. Ah bah, le coffret, pour le coup, il est vraiment mieux que Kangourex. Hein. Ce Kangourex, voilà quoi. Non, Kangourex, c'est juste celle-ci. Pour le coup, mieux. Hein. Oui, mieux. Bon, allez, on passe au sujet qui fâche. C'est Ex-Dragon. Dragon avec Latios Latias. C'est un booster, c'est le seul booster d'or que j'ai de Dragon en italien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a ouvert une display entière pour essayer de choper Dracaufeu Secrète. Oui. Et j'avais gardé un paquet.
Un seul paquet. Un seul paquet. Et il est du coup en italien, il est scellé. Hein. Oui. Il est beau. Hein, parce mais c'est vrai qu'il y a. Fabriqué en Belgique, donc au même endroit que les françaises. Oui, c'est ça. Et... Comme on vous a dit, on a connaissé un site à l'époque qui n'est plus du tout abordable maintenant. Enfin voilà, c'est avec la hype Pokémon. Non, mais il n'y a plus rien. Il y a plus rien en vieux. Non, mais si, mais peut-être que vous le connaissiez, mais c'était Card Game Club Italy. Ouais, et en fait, il y avait beaucoup d'Italiens et d'Anglais. Ce qu'on a chopé dessus, c'est. C'était 99€ vite fait. Il y avait entre autres des displays Gardiens de Pouvoir en anglais à 90€, des displays XM Road en italien qu'on n'avait pas acheté parce qu'on trouvait ça nul. pareil, 90€. En fait, il y avait des displays X, de tout bloc X à 90€. Oui. Et on hésitait à l'époque. Bah non, parce que 90€ c'était un coût, c'était plus cher que des displays françaises. Oui, parce qu'à l'époque. C'était moins cher, et franchement à l'époque tout le monde s'en foutait. Donc tu te dis, je vais pas dépenser mon argent là-dedans, sachant qu'il y a Explorateur Obscur qui vient de sortir et qui est trop bien. Oui, voilà, exactement, c'est un peu ça. Il fallait choisir. Quelle erreur! Comme aujourd'hui, on choisit, hein, on choisit d'acheter certaines extensions, certains items rares, ou d'autres non, on choisit, on n'achète pas tout bêtement. Et donc, X-Dragon sorti en 2003. Je n'ai aucune idée du prix de ce booster, j'ai pas cherché parce que je sais pas. Bon, parce qu'on a envie de l'ouvrir. Non, 2004 alors. Oui, de toute façon, c'est vieux quoi. Plutôto da Pokémon USA. Et du coup, c'est Pokémon USA et pas Pokémon Company. Parce que du coup, ça avait été racheté à cette époque-là. Je pense que ça vaut. Ça, c'est les boosters qu'on a payés du coup, 90€ les 36, donc 3€ le paquet. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'en ai plus. C'est triste! Je sais pas du tout c'est quoi l'ordre, je pense que je vais faire n'importe quoi. Bah je serais d'avis de ne pas faire d'ordre, et puis de voir. Ah, oula, la couleur est chelou. Ouais, bah c'est des vieilles cartes, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert des cartes. Et on a ouvert, et en fait c'est pourquoi j'en ai gardé un, parce qu'on avait tiré beaucoup de ex. Oui. Pas de secrète, parce qu'en fait il y a une secrète dans la bouffe, il me semble. Enfin bref, mais ça m'étonnerait qu'on ait une secrète là-dedans. Je retourne. Vas-y. Je crois que c'est au milieu, tu vois. Ouais, c'est comme les plus récentes. Oh là là, c'est trop beau. Oh, les vieilles cartes, elles sont tellement belles. Mais surtout que là, c'est vraiment les mêmes que les françaises. Hein. Je pense que un booster comme ça, ça va coûter 200€. Ah oui, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. C'est comme si vous achetiez du d'Italien maintenant, de Star et Infant, c'est la même chose. Hein. Ouais. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment pareil. C'est Made in Belgium, ça aurait pu être fabriqué ailleurs pour les Italiens. Oui. Non, c'est pareil. Donc, Hypocéan. Je regarde. Donc là, j'ai des peu communes. Là, t'es les peu communes. Donc il faudrait que j'enlève... Oula, attends. Je vais faire n'importe quoi. C'est un peu proche, là. Hypocéan, oui. Hypotrempe. Je pense pas qu'on ait quelque chose parce que... C'est rare, ok. Ok. Donc j'ai une rare directe là. Donc c'était deux devant... Les trois de devant derrière, c'est ça? Ah oui, ça va être ça. Ouais. Les 3 ou 4, je vais mettre les 4 parce que si jamais il y a une. Je sais pas s'il peut y avoir une reverse ou quoi. Ouais, on va dire que c'est bon. Tilton. Barloche. Oh, bah c'est trop moche. C'est Kensugi Emery ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Bah si, parce qu'en gros, c'est juste des images de Ouais, mais je pensais qu'il collait plus sur des fonds un peu petits qu'il Révolution. Craquenois. Spoink. Je sais même pas ce qu'on peut avoir comme ultra. Non plus. Ah donc, bah, le reprend, à où on était. Hypotrempe. Et du coup, c'est une vieille. La rare, parce que là, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est peut-être Zatu, non? Il n'y a pas que Zatu. Je pense pas que ce soit une holo. Oh, Girafarig. Ah, c'est trop moche. Oh. Si, on a une. Non, on a toujours une holo. Ah, ouais. Oh, elles sont jolies. Ouais. C'est stylé le graphisme. Ah, honnêtement, je sais même pas si c'était un booster lourd, je sais même pas si c'était. Non, pas du tout, c'était juste un booster. Ouais. J'ai envie de l'ouvrir, voilà. Ça me fait plaisir. Bah non, ça fait des vieilles cartes, mine de rien. Bah oui, de ouf. J'ai l'impression que c'est stylé. Bah en fait, ouais, c'est des vieilles cartes, c'est cool. Ouais, les holos, bon, moi je les trouve pas terribles, mais. Ah bon, moi j'aime bien. Ouais, et c'est comme ça sur X-Dragon, Ruby et Saphir, X-Tempête de Sable. Et je crois qu'après c'est plus comme ça. Et après c'est plus comme ça. Ils changent beaucoup, hein. Mais c'est bien, Ah non, mais moi j'ouvre rien, c'est toi. Team Rocket Returns. C'est une extension que Guillaume voulait absolument quand on a recommencé la collection Pokémon il y a 10 ans maintenant. Et en fait, on avait trouvé pas mal de boosters. Enfin, pas mal. Ça, c'est bien. C'est Card Saver. Moins de 10. Il y a 6 ou 7 boosters japonais de X-Men Rocket Returns. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Guillaume, à ce côté, il avait acheté des stars pour avoir la collection, pour pas en avoir en ouvrir. Pour moi, c'est imposable.
Parce qu'il y a toujours une Hulu, il me semble. Je sais plus c'est quoi l'ordre. 2004 aussi. Sauf que 2004 au Japon et l'Aragon c'était 2004 en Europe quoi. Oui. Dedans il y a des cartes magnifiques en Star. Ah, de ouf. Que j'ai déjà, que oui, j'avais acheté à côté, oui. Parce que c'est une extension que je kiffe. C'était pour moi l'extension la plus... Du coup japonais, le dos japonais. La plus intéressante de Pokémon. En japonais en tout cas à l'époque. Elle est magnifique. C'était... Celle de devant hein. Attends, fais pas de bêtises. C'est celle de devant, je crois. Hein. Ouais, bah mets-la de côté, celle de devant. Regarde. J'ai mis celle de côté de... Okay. Je crois que c'est celle de devant, si je me trompe pas. C'est en mode stress, là, on est comme ça. Marest, qui est... Oh là là, elles sont tellement belles, les cartes. Rare. Ça, c'est une rare, voilà. Mais du coup, Lolo qui était... Lolo ou autre, elle est là. D'accord. C'est ça, si je me trompe pas. Donc là, c'est la rare. Donc j'ai pas eu de... Cette fois-ci, j'ai pas eu de version obscure. Ah oui, oui. En tout cas, sur la rare. Oh, elle est magnifique. Ouais, elle est incroyable, aussi. La carte. Oula, elle colle un peu. Nosferapti. Après, ça se trouve, à l'époque, quand je les ai achetés, c'est quelqu'un... Parce que c'était un anglais, c'était sur eBay. Je les ai achetés 10€ pièce. Oui. C'était 5... c'était ça, c'était... Non, c'était même 50€ les... Non. 50€ les 10. Je non. sais plus. Mais les 8. Moins les 8. 50€ les 8, je crois. Et il en vendait tellement, tu peux te dire aussi, peut-être que oui. c'était déjà trié, peut-être que c'était ouvert des boîtes, et finalement... On sait pas. On sait pas. On a gardé ça il y a longtemps, et... C'est compliqué. Imaginons, vu comment il en vendait, ça se trouve, lui, ce qui se passait, c'est qu'il les avait... Il avait ouvert plein de boîtes. Oui. Et en fait, il a, dès qu'il tapait les ultras, bah en fait, après, oui, le reste, il gardait. C'est ça, c'est ça. Malos, qui est magnifique. Oui. Hypocéan, Hippotrempe encore. Robot Rocket. Énergie Rocket. Et énergie. Oh là, il y a beaucoup d'énergie, là. Alors, je sais pas si ça peut être une carte bien. On a déjà eu des très bonnes cartes dans ce genre de choses. Ça n'a pas de texture, hein, puisque bah, c'est... C'est des vieilles cartes. C'est des vieilles cartes. On va essayer de voir, mais... Je m'attends à rien, parce que pour l'instant... Enfin, on n'a rien paquet dans ces boosters. Oui, c'est ça. Ouais. Une obscure. Ah, elle est belle, qui est très jolie. Elle est magnifique. Après, du coup, voilà. C'est forcément... C'est une carte simple, quoi. Bah, c'est pas une carte simple, mais du coup, t'es obligé d'avoir une... Elle est incroyable. Bah ouais, elles sont cool. Hein. Elles sont magnifiques. Elles sont cool. Bon, un peu déçu parce que, bah forcément... Bah oui. C'est le troisième ou quatrième jeu de... Et là, on est sur des boosters que j'ai acheté 10€, mais qui valent... Enfin, moins de 10€, mais qui valent... Je dirais, c'est entre... Ouais, je vais donner une grosse fourchette, c'est entre 500 et 1000, quoi. C'est une très grosse fourchette. Bah parce que c'est compliqué, parce qu'en oui, plus c'est pas première ouais. édition, mais le second édition est bien aussi. Oui. Voilà, bon. Elle est trop belle. Ouais, non mais elle est jolie. Elle est jolie, ouais. Après voilà. Bon, ça vaut pas ce prix-là. Mais bon, c'est non. C'est pas grave. Classique. En anglais. Il voilà. est ouvert. Ça fait longtemps qu'on l'a. Oui, et en fait, la particularité des vieux boosters, c'est que, bah, en fait, ça se décolle, ouais. avec le temps. C'est pas le premier qui se décolle. Non. J'ai réussi à l'extirper, et j'en ai aucune idée si c'est un lourd ou pas. Non. Je suis mitigé, encore ouais, une fois. Ouais, en fait, j'ai... On sait... Non, mais on sait pas du tout. Je veux pas savoir. On va voir la surprise, okay, c'est tout. Ouais, ok, on arrête. Ok, on arrête. C'est de l'anglais, cette fois-ci. Oui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup... C'est un peu tout, n'importe quoi, les langues. C'est le booster, le blister le moins rare, je dirais. C'est parti des blisters où il y a eu beaucoup... Ah oui, non, il se décollait, mais en fait, non. Ah, pas c'est si, juste ouais. en bas, ouais. Ça a été beaucoup tiré. La preuve, c'est que nous, quand on a commencé Pokémon, on les achetait 3,50€ en français. Ouais. Et on les revendait 10€, même ouais. pas. Quelle erreur. Et la troye, pour oui, c'est ça, exactement. Et, je pense que tous les vrais collectionneurs... Justement, des boosters où il y avait le plus sur le marché. Oui, c'était pas rare. Au niveau Wizard. Et du coup, on trouvait ça nul en français, on en avait ouais, pas mal. Ouais, exactement. Celui-là, c'est mon frère qui l'a échangé, je crois qu'il avait payé 20€, je crois. Du Wizard. Bah, en fait, j'ai gardé un autre ex, je suis pas allé dans l'ordre chronologique parce que l'autre, il me fait plaisir. Ouais, il y a eu. Enfin, il y a des cartes stylées. Mais c'est pareil, on. Bon, là, vous étiez pas né, hein. Pas. Moi, j'étais né. Hein. Non, mais pas toi, mais. Fabriqué aux États-Unis 1999, mais non, mais normalement il y a plus que ça. Ouais, ils sont chiants avec Wizard parce qu'ils disent pas la date, mais ouais, c'est pas c'est la date. Pour moi, ça va être 2001, 2002, bah même avant 2001, non, 2000, non, ouais, 2000, hein, ouais, 99-2000 en fait, ouais, non, bah oui, en parce fait, que oui, c'est ça, oui, c'est sorti vite, oui, c'est sorti vite. Il fait, je crois qu'il fait 21 grammes, mais je sais pas,
Si c'est, je crois, je sais pas. Non, je sais non, pas parce que. Pas. Voilà, je sais pas. Je coupe comme ça, il pourra pas être réutilisé. Ce genre de booster, généralement, tu coupes comme ça. Il peut pas être recollé et revendu. C'est quoi, je sais pas. Non, mais je sais pas. Ah, je sais pas. On ouvre tellement peu de ce genre de booster que je sais pas c'est quoi l'ordre. Oh là là, c'est tellement beau les vieux boosters comme ça. Ça fait longtemps. Ah, hein. Ça fait tellement longtemps. Du Wizard, ça fait longtemps qu'on a pas vu le Wizard. Hein. Sur la chaîne. Sur la chaîne, ça fait très très longtemps. Non, ça fait une éternité. Ça, ça paraît pas grand chose, mais. Ça fait 1000 ans. Ammonite, c'est ça, Ammonita oui. Je vais doucement comme ça, on va voir. Je sais plus c'est quoi. On peut avoir des cartes nulles aussi. Hein. Ouais, mais même si c'est pas une houle, ça peut être une non houle bien. Hein. Ça peut être Dracolos en non houle. Oui, 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 oui. Ou Kabutops. Ou... Trainer, recyclage. Ok, je suis toujours sur des peu communes. Ah, mais lui, on va l'avoir dans tous les boosters. Ouais, je crois qu'aujourd'hui. Une colle au basque. Ok, Kabuto, non. Ah, ah bah lui aussi. On a toujours les mêmes Pokémon dans toutes les éditions, tu sais. On va ouvrir les autres, on va avoir Racaillou, Hippotrempe. Alors. Oh, oh elle est trop bien. Celle-ci, elle est trop belle. Propre, ah ouais. Donc, toute neuve, hein. Ça, c'est... Bah, de toute façon, c'est des cartes qu'on va garder quand on va être sous sleeve. Bah oui, et puis on avait commencé une collection à trous de photos. Je pense pas qu'on va avoir une carte qu'on n'a pas. Ah, oh, elle est trop beau. Ah bah ça, ton frère il voudra peut-être. Bon, les deux je pense là. Ah les deux, si, ouais. C'est oui, comme ouais. Si c'est de l'anglais. Parce que je crois qu'on... C'est la rare. C'est la rare. Je sais pas si c'est une holo, je pense pas. Je pense pas. Je crois que c'est... Du coup c'est Lector. Non, on va pas être abonné aux mini-cartes. Je crois que c'est Lector. Donc alors, si c'est la rare, on va remettre les autres devant. Je pense que honnêtement ça devrait être plus gondolé, non, si c'est une holo. Moi je pense que ouais. Mr. Fuji! Elle est trop bien cette carte aussi. Elle est trop cool cette carte. Golem! Arbok! Oh, les... Non, mais elles sont trop belles les là, cartes. Du coup. Non, là, c'est, du coup, c'est la. Non, celle-là, c'est Psyduck, ouais. Donc, tu es Psychopac. Non, c'est Lector. Oh, mais... Ben non, mais c'est Lector, c'est Lector. Ah non! Magneton! En non holo, du coup. Donc, il était léger! Mais bon, après, ça reste après, quand même des cartes sympas. Des cartes sympas aussi. Tiens, j'ai oublié Magneton. Elle est cool quand même. Elle est belle. Après, en holo, elle est plus sympa. Clash of the Blue, Blue Sky en donc, japonais. Ex-Deoxys. Avec. Des cartes de malade. Latios, Latias et Rayquaza Star. Je pense que c'est je pense que c'est impossible, mais bon. Jamais ouvert. Il y a toujours espoir. Jamais ouvert sur la chaîne. C'est parti d'un lot de 3 que j'avais acheté il y a. C'était il y a longtemps, le Japon. Et je crois que j'avais acheté ça à un Taïwanais. 7€ pièce. Tu vois, je l'ouvre après parce que, en fait, j'en ai jamais ouvert. Non, on avait ouvert du japonais. Un jour, j'en ouvrirai. On avait ouvert en japonais, celui qu'on avait ouvert d'ailleurs dans la pareil, vidéo anniversaire. Je sais pas si c'est. J'en sais rien. Donc en fait, c'est toujours. En fait, ça se trouve, je vais me dire, enfin, là, j'aurais dû le garder. Bah ouais, mais bon, faut se faire plaisir aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, on avait acheté pour ouvrir. Nous, on aime bien acheter pour ouvrir aussi. Vas-y. Clash of the Blue Sky, du coup, si vous cherchez sur internet la liste ou le booster, oh, c'est toujours incroyable. Chiant à trouver les. Oui, le Jap, c'est plus difficile. Bon, j'ai mis un petit récolte dedans. Fais gaffe parce que. Ok. Si je travaille le Mew Star. Bah, c'est devant. C'est devant. Donc, je vais enlever les deux premières. Si c'est la. Ça, c'est la rare. Et donc, normalement, après. Ça va être ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc là, c'est le reste. Oh là là. Alors, Racaillou. Goaliz. Geodude, j'allais dire. Goélise. Balbuto. Avec le signe du coup. J'ai dit ouvrir, je préfère. Makuhita. J'ouvrirai un des derniers. Pareil cool. Qui est assez cool. Medina. Ah, celle-ci, elle est cool. Elle est très belle, ouais. Elle est très, très, très jolie. Très, très, très jolie. Ningal. Ningal. Ninogalou. Blindalice. Que des Pokémon, c'est ah oui, c'est, ouais, c'est sympa, et Pokémon. Dresseur et énergie. Énergie. Donc normalement il y a une rare. Normalement il y a une rare. Qui m'estresse, mais bah oui, pas, je stresse. Bah ben ouais, mais c'est. On n'ouvrira plus quoi. Non, 2022, regardez ce qu'il y a en booster vite quoi. Non, mais on est. On n'ouvrira plus ce genre de choses. Donc. Je pense pas, non. Donc là. Non, c'est... parce qu'il m'en reste deux, c'est. Bah j'ai le 3, je le garde. Oui. C'est pas à ouvrir. Bah tiens, je suis collectionneur aussi. De booster Jap. Bah ouais, les boosters là, moi j'aime bien. Oui. J'aime pas beaucoup, mais.
Métang, okay. Et donc c'est bien la rare. Métang, okay. Ouais. Métallos à la limite, mais pas Métang. Oui, Métang, ouais. Tiens. Ah, mais comme il y a une holo à chaque fois ou plus. Bon. Allez, Magneton, il va nous invoquer un truc bien. Ah, ils sont plus gros, ces cartes. Je pense que. Je pense que c'est. Terraclope. En holo ? Ouais, bah oui, c'est toujours. Ah, oui, il y a toujours une holo. C'est pas mal. Ouais, mais ça se trouve, ils sont pliés, j'en sais rien. Ça se trouve, j'en ai aucune idée. Le problème du japonais, c'est que. Oui. Je sais pas si ça se pèse, et honnêtement, je m'en fous. Voilà. Pour finir, non pas des moindres. Bah, c'est notre première vidéo sur la chaîne. Ouais. C'est la première vidéo sur la chaîne, c'est bon. Du Team Rocket. Édition Wizards. Donc il nous en reste quelques-uns, mais du coup, c'est en italien. Alors, il faut savoir que les blisters sont sortis uniquement en français et en italien, il me semble. Il n'y a pas eu de blister Team Rocket en anglais, ça c'est sûr. Et donc, les blisters, ils sont intéressants dans le sens où bah, le marché américain, ils veulent des blisters de Team oui. Rocket, et du coup, c'est soit du français, soit de l'anglais. Sauf que, enfin, de l'italien, soit ce qu'on remarque, c'est que le booster français, il vaut rien parce qu'il n'y en a pas. Oui. Le blister français de Team Rocket, il y en a un paquet. Il vaut pas, enfin, il vaut rien, j'exagère, mais il vaut pas si cher que ça. Pour du Team Rocket. Pour le Team Rocket, voilà. Oui. Sachant qu'à côté, un booster fossile, ça vaut plus cher presque, tu vois. Oui. Je pense qu'ils sont lourds. Parce qu'en fait, la particularité de l'italien, c'est que les noms sont les mêmes en anglais et en italien. Oui. C'est-à-dire que Dracofeu, il s'appelle Charizard. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils sont lourds. Ouais, t'es sûr, hein. On a eu plein à l'époque. Oui. On ouais. a eu... beaucoup trop. 72. Ah ouais, tant que ça. Pour je crois que c'était bon. 72 pour 200 euros. Ouais. 72 comme ça. Je trouve que c'est le prix. Il m'en reste pas 72, déjà. Ben quand on a 72, nous le week-end, je rentrais de la fac, des fois, j'allais chez mes parents avec mes frères et tout, qui étaient encore au lycée-collège. Et puis, il y avait le carton, et puis bon, ah vas-y, on ouvre. Allez, ouais, c'est marrant, ouais, vas-y, on ouvre. Ouais. Et puis, bah, Dracofeu, j'en ai plein, tu vois. Et la preuve, c'est qu'on avait fait une vidéo presque direct quand on avait reçu... Oui, voilà, on a quasiment toute la série hein, de oui. Team Rocket en... Bah, c'est des vaccines, hein, quand on en a autant... Alors, on a pesé. Enfin, c'est Kim qui a la responsabilité. Ah non, non, mais repèse alors. Non, c'est bon. On a pesé et ils sont un peu plus lourds que d'autres. Donc, on se dit, logiquement, peut-être. Le Wizard, c'est pesable. On va déjà en ouvrir un, on va voir. Oui, au pire, on Et sinon, on pleure. Ah, par contre, ceux-là. Ah, là, par contre, ils décollent pas. Ils ont été impossibles. Par contre, ils ont jauni avec le temps, ouais. Oui, c'est la particularité. Bien conservé. Ouais. Ça, c'est indécollable. Tu vois quoi, je crois que c'est les fossiles, ils se décollent tout le temps. Parce que là, on voit que c'est décollé, c'est-à-dire que. Bah, en gros, il n'y a quasiment oui. Pas de colle. Là, Ah non, mais là, c'est collé. Je suis désolé pour ceux qui voulaient ça dans leur collection. Bah, vous l'aurez pas. Oh punaise! Oh le masque! Oh le massacre! Voilà! Fin! Finito! Finito! Il Team Rocket all'attacco. Bah, Team Rocket à l'attaque alors peut-être. Oui. Simplement. Sans doute. 1 sur 34. 2000, tu vois, c'est plus 2000. 1992-2000. C'était quoi fossile ? Parce que ce sera pareil. La mémoire. Zéro quoi. Il me paraît un peu gondolé donc. Ah non, 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 arrête, commence pas. On va le voir de toute façon. On recule devant rien. Je sais pas. Bien ouf. Donc c'est en anglais. Oui, coup, c'est les mêmes noms en anglais. C'est ça qui est bien en italien, c'est oui. qu'ils ont conservé. Punaise, les cartes, elles sont pas droites. Hein. Je Et Oli. Je l'ai mille fois même. Zubat. Nosferapto. Oui, Nosferapti. Orti... Mystère. Ah oui, la version. Ah oui. La version censurée en Europe. Où il n'y a pas les yeux vers là. Normalement, il regarde vers là. On l'a jamais retrouvé celle-là. Non. Tu crois qu'on l'avait, on l'avait pas. Non, on l'a pas. Il n'y a que du vert. Abo. Abo. Violet. Abra. Abra. Attends, rouge. C'est la rare. Bah, la rouge, il n'y a que Dracofeu, je crois. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Ah!
la probabilité, les gens. Oh, punaise. Oh, punaise. Trois fous obscurs. Mais oui, je crois qu'il y a que lui en rouge. Il y a que lui en rouge. Je sais pas. Tu m'as stressé. Elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Ah, oh, punaise. Elle est... C'est la première fois qu'on dit qu'on le tag en vidéo. Je crois que la première vidéo qu'on a faite, on a tagué tortant, quoi. Ouais. Franchement, je pensais pas qu'on allait l'avoir. Moi non plus. La probabilité, non, genre, mais la probabilité. Non mais c'est ouf. C'est ouf. En plus, on a hésité entre plusieurs blisters. Hein. Oui, oui, oui. On a dit ouais, mais il y en a qui avaient à peu près le même poids et on a pris celui-là et celui-là. Bah je le fais de ça. Bah ouais, après on met dehors. Deux dracophones. Tu vas avoir un vieux dresseur. Genre, ouais. Tu vas avoir l'énergie en ultime. En... Oh punaise. Elle est propre, hein. Elle est magnifique. Elle a un petit point blanc. Non, elle est propre. Elle est vraiment propre en plus. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi, c'est ça qui fait. C'est ça qui est ouf, c'est le lolo des vieilles cartes. Punaise. Bon, bah ça non, fait une belle ouverture au final. Hein. Ah bah là... Je pensais pas qu'on allait avoir un Dracouf aujourd'hui, non, parce que je crois que c'est le seul qu'on pouvait avoir. Bah si, évolution et destinée... Oui, mais évolution... Oh, oh là là, Dracofeu. Bon bah ça fait une belle vidéo. Bon les gens, ça fait plaisir. Hein. Bah oui. Alors par contre, aucune idée de sa valeur, c'est plus non. Le principe, c'est d'ouvrir... Exactement. Bon. Ce genre de booster, non mais je pensais... Enfin, des trucs comme toi. Alors oui, il y a Tortank, il y a Dracofeu, il y a Dracolos. Je peux pas faire autrement, ils sont ils sont bien, c'est ceux qui sont nickel. Hein. Bah, y a juste le côté jauni, mais je pense que c'est irréversible. Puisque, bah, comme c'est du plastique transparent, ça risquerait juste de l'abîmer, je pense. Je pense pas qu'on puisse le déjaunir. Comme les baskets, tu vois. Oui. Les produits à baskets déjaunissants, là. Voilà. Punaise. Quelle bande de gorée. Ah, je pensais pas qu'on allait paquer pour le million Dracofeu Obscur. Je m'étais imaginé, je me dis, ah ouais, ce serait cool quand même. Bah, mais c'était toujours la. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une réaction comme ça. Oui, oui, oui. Bah, parce que. C'est quand même trop bizarre, mais. C'est quand même Dracofeu Obscur, non? Donc les trois derrière devant. Est-ce que c'est. Je pense que c'est gondolé. Ça a l'air d'être moins gondolé que toi. Hein. Ah bon? Je trouve. Tu me fais peur. Énergie. Ah, tu me fais peur, imagine, t'as pas de l'eau. Je sais plus. Oh ah, là, jolie. Putain, c'est l'obscur. Il est propre. Elle est magnifique. Magnifique. Matt Chopper. Abo. Bon, c'est les Blue Sorgeap, ouais, qui ont été moins... Psychoquack. Ça la mèche, bah dis donc, on a la famille. Matt Chop. Ramolos. Ratatak. C'est après ou pas? Non. Colossinge. Férosinge. Férosinge. Oh. Ah. Ah. Je crois que... Attends. Elle est même pas au lot. Elle est même pas au lot. Elle est même pas au lot. Oh là 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 là. J'ai savais que t'allais rendre ça tout pourri. Eh non, c'est pas plus à valeur. Parce que je crois qu'ils étaient proches d'un point. C'est vraiment... Oui, ah oui, ils faisaient même pas. C'est vraiment juste du hasard alors. Oh finesse! Oh je joue plus, c'est fini, je touche plus à ça. Non mais. T'es content ou pas quand même? Bah oui. Bah Dracofeu Obscur quand même. Bah pour l'émotion, parce que bah, c'est vrai que honnêtement moi je suis un peu moins hypé par Pokémon en ce moment et ça arrête à ça, j'ai pas eu d'émotion, tu vois. J'ai pas eu de vidéo. On a bah si Arceus quand même, Arceus. Ouais, parce que c'était au début. Oui. C'est différent, tu sais pas qu'une des meilleures cartes dès le début, c'est particulier, c'est sûr, mais c'est sûr. Puis tu te rends compte qu'après, en fait, t'es bon rien et tombe tout le temps. C'était une très très bonne ouverture. Bah, peut-être moins, oui, sur les boosters Jap là. Moins sur le deuxième Rocket. Moins sur. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. T'aurais pas dû l'ouvrir. Oui, mais bon, après, c'est. Oui, voilà, c'est pas que ça grave. Ça compte pas. Oh là là, Dracofeu Obscur, la probabilité était juste infime. Ah oui, infime. La preuve, j'ai eu. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a dit. On pense qu'ils sont lourds, mais il n'y a aucune certitude. La supposition, tout parce temps. Que c'est un blister, parce que ça varie. Je suis quasiment sûr qu'il faisait le même poids. Moi, pour moi, il faisait le même poids aussi, ouais.
Bah ça fait un drame fleur ajouté. Ah bah voilà. Oui, là pour la collection. Pour le million, ça fait plaisir. De ouf. Je suis même pas sûr si on l'a paqué en... Je crois qu'on l'a paqué qu'en non-holo, je crois. Je crois qu'on l'a paqué en non-holo, ouais. Je dirais aussi, ouais. Je crois que j'ai trois fois... Non, je vous jure, j'ai deux ou trois fois en non-holo dans les boosters internet à mon overdistérien. Il n'y en a jamais eu, et voilà. Bah voilà, c'était pour le million, c'est incroyable. Ça fait plaisir les gens, on espère que ça vous a fait plaisir. Bah en tout cas, bah, oui. Il revient, donc ça a dû faire plaisir. C'est parfait. On a fait plaisir. Charizard, et en plus Noctalie, pour moi, Noctalie. Ah, et puis ouais, et puis Noctalie. Franchement, Noctalie, Charizard, ouais. Oscur, bon, un peu déçu des boosters Jap. Ouais, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Exactement. On a eu une star sur un. Et regardez. Yeah. Tu vois, tu l'as invoqué. Je l'ai dit, non mais je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai mis mon t-shirt dragon pour avoir un dragon bleu. Mais voilà. En tout cas, pour la faire péter la barre de honnêtement, choses. C'était la meilleure extension aujourd'hui, on aurait pu avoir une carte de ce type-là. Ah bah c'était, oui, c'est ça. Bah c'était... Paquer un Dracfeu de Wizard aujourd'hui, même dans des langues... diverses et variées. Ouais, ça reste quand même énorme, voilà. On est très contents. On est très contents. En tout cas, on espère que vous aussi, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à continuer à s'abonner à la chaîne. Merci, merci encore aux 1 million d'abonnés. C'est possible qu'on refasse ce genre de vidéo, hein, parce que voilà, bah, on a des anniversaires tous les ans. Oui. Bah, cette année, je pense qu'on va faire l'année prochaine déjà. Oui, non, mais on verra. On verra. Faut rester sur la chaîne. Il suffit d'avoir de la chance, de tomber sur des trucs, il y a des items qui nous plairont. Il y a peut-être un jour où on dira, ah, il faudra ouvrir ça, ce serait trop bien. Bah oui, peut-être. Voilà, en tout cas, peut-être des signes occultes, ça peut c'est pas mal quand même. Ça peut se retenter. Ouais, ça c'est possible. Ça, c'est possible. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!